Oh, c'est au ruisseau des Goars. C'est au ruisseau des Goars. On a vu un petit ruisseau comme ça avec de l'eau et des rochers qui a un peu bloqué le passage. Ouais. En fait, l'eau, elle passait pas par-dessus ou à côté. Le ruisseau, à l'époque, il était très petit, quoi, en fait. Hein. Et il serpentait, en fait. Il était tout tortillère, quoi. Il y avait plein de méandres. Et comme profondeur, il faisait un mètre, quoi, à peu près. Le petit pont des Goars, qui se situe à côté de la salle de la laiterie, c'était notre terrain de jeu et aussi notre parcours scolaire. Oh bah ouais, c'est une sacrée histoire, le petit pont pour nous, là. Pont, oh bah, c'est le Goar, ça. Ah bah c'est tout notre enfance, on jouait toujours là. Hein. Ah bah ouais, non bah ça le Goar et tout, bah, c'était super, ça. Le petit pont, on s'en rappelle, il existe toujours. Hein. Et oui. Parce qu'on allait à l'école là, pour aller à Saint-Michel, Sainte-Thérèse, en passant par la Louetterie, ça nous coupait. Hein. Et tu te souviens, Thérèse, quand il était inondé? Ah oui. Bah, oui. Le père Urgo. Le père Urgo, il était là, il nous prenait dans ses bras pour nous traverser. Mais moi, quand je suis passée sur le pont, j'avais peur de tomber dans l'eau. T'as l'impression de tomber avec les grenouilles. Et des poissons. Ouais, il y a un pont immense qui est comme ça et qui va avec les grenouilles. On s'amusait, nous, enfants, dans les serpentins, là, comme ça, les méandres. On faisait courir, on faisait des courses de petits bateaux. C'était un bout de bois, on mettait un numéro sur le bout de bois, et puis on le posait, on disait « top !» Tout le monde le posait en même temps, et puis ben, comme avec les méandres, le ruisseau, l'eau accélérait par endroits et ralentissait par d'autres, même des fois stagnait, alors ben, celui qui arrivait à prendre le bon courant, ben, c'est, hop, il gagnait, allez, il faisait, je sais pas moi, le ruisseau tout le long de la tenue maraîchère, il faisait peut-être bien 100 mètres. Donc on courait le long du ruisseau à côté pour savoir. Et puis on avait un petit bout de bois. Ceux qui étaient bloqués, qui étaient dans l'eau stagnante, eh bien hop, il avait le droit de le chasser uniquement quand les autres étaient passés. Ça, c'était le jeu. Moi, je dors. Je nage. Non. Moi, je vis. T'es fou, moi je suis allée au sud des poissons, je te dis, j'ai pas plongé dedans. Hein. Si, moi j'ai plongé dedans. Non, c'est impossible que tu plonges dedans, là tu te fracasses. Oui. Et tu meurs. Si. L'été dans les petits bois, là, quand il faisait beau, bah, on allait jouer là, on était tranquille. Ouais, on ramassait les têtards, puis on les mettait dans des boîtes, croyant avoir des grenouilles le lendemain matin à la maison. Manque de peau, le tétard, il était le ventre en l'air, il ne bougeait plus. C'est super. Des beaux souvenirs d'enfance.